avant de démarrer, déjà, je voulais remercier tous ceux qui sont encore là dans la salle, parce que c'était un véritable enjeu pour nous de savoir si on allait tenir sur la durée, sur la journée, et apparemment oui. Donc tant mieux, merci à vous, et merci à tous les intervenants. Il est probable que si j'avais à réécrire la présentation que je suis en train de faire, que je vais vous présenter, après cette journée, je l'écrirai peut-être un peu différemment, mais peu importe, puisque de toute façon, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une intention, une esquisse d'une démarche qu'on voudrait discuter, proposer sur l'après-colloque. Alors, cette esquisse, elle a été débattue au sein de nos deux associations, Patrimoine en Presqu'île et Transition aux Côtes Sauvages. Et l'exercice est finalement assez délicat, parce qu'il faut parer deux écueils. Le premier, c'est d'en dire trop. On voudrait en dire beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'idées en tête, mais en même temps, on ne veut pas fermer le débat, on ne veut pas fermer la discussion, et au contraire. L'autre écueil, c'est de ne pas en dire assez, et finalement, de laisser paraître qu'on manque d'ambition, qu'on manque d'envie, qu'on manque de désir, et donc de capacité à entraîner. Et or, l'enjeu, c'est bien d'entraîner, de voir si on est en capacité d'entraîner localement une démarche collective et citoyenne sur cet enjeu de la transition climatique. Alors, pour présenter cette esquisse, je vais partir de deux constats simples. Le premier, c'est finalement le constat d'une conviction. Donc, c'est toujours un peu délicat de dire que c'est un constat, une conviction. En tout cas, il faudrait peut-être que ce soit un travail qu'on approfondisse, qui est de replacer le citoyen au cœur de la transition. Alors ça fait énoncer comme ça un peu tarte à la crème de discours politique, il faut bien le dire. Et c'est vrai que, de fait, l'action publique, mais pas que, elle est souvent orientée à l'égard du citoyen, me semble-t-il, comme une action consistant à sensibiliser, accompagner, voire contraindre. Un petit peu dans un mouvement vertical, comme si on s'adressait en somme au citoyen comme à un enfant. Or, nous pensons précisément que le citoyen doit être partie prenante de la définition des solutions. On l'a vu au travers de mouvements sociaux marquants de ces dernières années, que lorsque les solutions sont conçues, je dirais un peu hors sol, eh bien l'appropriation par les citoyens n'est pas là, et on a des freins qu'on a du mal à déverrouiller et qui peuvent ralentir fortement l'action. Cette conviction étant énoncée, un autre constat, c'est qu'on a des difficultés majeures à surmonter. Alors, on en a sélectionné quatre. Pourquoi quatre? On pourrait en citer d'autres. C'est celles qui nous sont parues les plus vives. Et en tout cas, ce sont des difficultés sur lesquelles nous pensons que nous, localement, on a peut-être un peu prise. On a parlé ce matin, lors de la séquence philo d'institutions internationales, clairement, localement, je ne sais pas trop ce que l'on peut faire, en tout cas à court terme, sur les institutions internationales. La première difficulté, c'est l'ampleur du défi. On voit que le défi, il est complexe par la multiplicité, l'imbrication des enjeux, par la multiplicité et l'imbrication des solutions, et puis également, parfois, par la difficulté à décrypter l'action publique, et pas seulement, également l'action de tous les acteurs, y compris associatifs, qui sont impliqués et qui, finalement, forment, aux yeux du profane, une nébuleuse qu'il est difficile de comprendre. Donc première chose, l'ampleur du défi. La deuxième difficulté majeure, c'est l'évolution des comportements face à nos habitudes, on en a parlé également ce matin, face à l'absence aujourd'hui de futurs désirables qui soient réellement partagés, d'autant qu'on nous dit qu'il va falloir le fonder sur un objectif de sobriété, et alors même que nous avons été éduqués et nous sommes encore tous les jours conditionnés à consommer. La troisième difficulté, qui est également apparue tout au long de la journée, à mes yeux, c'est la contradiction, ou plutôt, je dirais, la tension, parce qu'il n'y a pas de véritable contradiction. Une tension qu'il faut gérer entre l'urgence à agir, du fait des retards croissants dans l'action climatique, et une action méthodique de long terme dont on ne peut pas faire l'économie. Il y a un moment, il faut se mettre autour d'une table, réfléchir pour s'organiser. Et puis, la quatrième difficulté, c'est celle des freins à l'engagement individuel. Parce que c'est bien joli de dire, comme je l'ai dit au début, replacer le citoyen au cœur de la transition, mais il faut quand même bien dire que le citoyen, il a quand même beaucoup de problèmes à gérer.
y a quand même beaucoup de têtes grises ici, mais il y a aussi, parmi les citoyens, beaucoup de gens qui sont en situation de travailler, qui ont une carrière professionnelle, des contraintes professionnelles, des contraintes familiales, voilà, des contraintes de la vie, de la vie commune, qui font que, il y a un véritable frein à l'engagement. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est comment dépasser ce toujours le même, qui est peut-être un peu excessif, mais qui veut dire quoi? Qui veut dire que on a du mal, au-delà d'une certaine frange de la population qui est déjà, qui se sent concernée, qui est déjà bien sensibilisée, on a du mal à aller plus loin. Et donc, pour répondre à l'ensemble de ces constats et de ces difficultés, la démarche que l'on propose, eh ben, elle tient en cette diapo. Ce que nous avons envisagé, et c'est quelque chose qui vous est livré comme une esquisse à l'état embryonnaire, vous dire qu'il y a du travail à faire, consistant à créer donc sur l'espace de la presqu'île guérandaise, ou autrement dit de l'agglomération de Cap-Atlantique, un espace citoyen, alors espace au sens virtuel du terme, hein, ou une communauté citoyenne du climat, qui serait ouvert à toutes et tous, personnes individuelles, personnes physiques, mais aussi associations, acteurs professionnels, acteurs institutionnels, et qui serait dédié à deux missions essentielles. La première mission, permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux de la transition climatique. Un peu comme on l'a fait aujourd'hui, par un apport de connaissances, soit académique, c'est beaucoup ce qu'on a fait, mais aussi de terrain. C'est-à-dire que l'expertise, elle n'est pas uniquement dans les universités, dans les centres de recherche ou dans les, voilà, dans ces corps-là. Elle est aussi dans les associations, elle est aussi parmi les professionnels, elle est aussi chez des citoyens qui, par passion, par exemple, ont aussi développé une expertise. Le deuxième volet, c'est permettre à chacun, à chacune, de participer à l'élaboration de propositions de politique publique, et cela en lien avec les acteurs locaux. Il n'est pas question, dans notre esprit, de nous substituer à tous les acteurs qui existent déjà. L'idée, c'est bien au contraire de se mettre ensemble pour travailler en coopération, se coordonner, en vue d'élaborer des propositions. La première dimension à comprendre, c'est en somme ce qu'on pourrait appeler une forme d'université populaire du climat. Voilà. Pour le dire simple, c'est de l'information, c'est du factuel. C'est le deuxième proposé, on serait plutôt dans une dimension de l'ordre du laboratoire d'idées locales, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis ces deux missions seraient mises au service de chacun, de chacune, pour faciliter son engagement dans la transition climatique. Je l'ai dit en introduction, on voit bien la difficulté à se saisir du problème et nous pensons qu'il faut aider le citoyen qui n'est pas encore aujourd'hui, qui est encore aujourd'hui au seuil de l'engagement, pourrait-on dire, l'aider à trouver la voie de son engagement, que cet engagement soit associatif, professionnel, voire politique, électif ou même électoral, ça a été évoqué tout à l'heure, on a tous une carte d'électeur dans notre poche, ou même un engagement de manière beaucoup plus simple, qui soit un engagement personnel auprès de ses proches ou dans sa vie quotidienne. Alors cette vision idéale cible étant posée, concrètement, qu'est-ce que nous aurions envie de vous proposer pour les mois qui viennent? Eh bien, c'est de créer une forme de collectif ou de communauté, aujourd'hui le terme est encore à définir, qui travaillerait, donc auquel vous êtes invité à vous associer, si vous trouvez ça intéressant, et qui travaillerait sur deux plans différents mais complémentaires. Le premier, c'est de poursuivre la réflexion que je vous ai esquissée à l'instant sur la forme que pourrait prendre ce collectif, cette communauté, en allant rechercher des expériences homologues sur des territoires voisins, en approfondissant peut-être et sûrement des éléments de diagnostic, en identifiant les synergies avec les acteurs du territoire, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il est hors de question de recréer une énième association environnementale, mais au contraire d'essayer de faire travailler tout le monde ensemble du mieux possible,
Et donc, il faut aller les voir les uns après, les unes après les autres, et puis parler de cette ambition et voir si on arrive à monter cette coopération. Et puis, en parallèle de cela, de ce travail un peu fondamental, nous pensons que ce travail fondamental ne peut pas être accompli si on n'engage pas immédiatement et assez vite des actions concrètes. Des actions concrètes donc, qui viendront nourrir la réflexion de fond et puis, dans le même temps, qui viendront répondre à des enjeux d'urgence liés au calendrier auquel nous faisons face. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec les révisions d'un certain nombre de plans locaux, que ce soit le SCOT, schéma de cohérence territoriale, mais il y a aussi, par exemple, l'année prochaine, un point d'étape important sur le plan climat, air et énergie territoriale. Ce sont des sujets sur les, que l'on ne peut pas laisser passer sans s'impliquer. Je n'ai pas listé les thèmes ici, volontairement, pour laisser la place à la discussion. Dans les questions-réponses, on pourra vous dire vous parlez des premières intentions qu'on a, mais on tient vraiment à ce que la sélection de ces sujets de travail soit effectuée avec celles et ceux qui, parmi vous, seraient intéressés à rejoindre ce collectif. Pour terminer, ce nuage de mots qui essaye d'exprimer un peu notre état d'esprit, bah, c'est toujours un peu confus, hein, vous voyez, mais pour en citer juste trois mots essentiels, bon, je l'ai un peu martelé, celui de la connaissance. La connaissance nous semble être finalement la base du travail en commun, c'est notre langage commun, parce que la connaissance, c'est se référer aux faits, et on n'est pas là dans le domaine de l'opinion, et c'est peut-être probablement par ça qu'il faut commencer. Le deuxième, alors ce thème-là a été largement énoncé pendant toute la journée, c'est la coopération entre les acteurs. Et puis, j'en ai rajouté un dernier qui est la culture. La culture qui peut être comprise en deux sens. Le premier sens qui a été évoqué ce matin, le sens de la culture, enfin la culture au sens de ce qui nous fait qu'on est une société humaine, par nos habitudes, par nos coutumes, par nos croyances, par nos institutions. Il y a probablement là une forme de révolution culturelle à accomplir. Et puis la culture au sens souvent entendu, avec un grand C, qui est le domaine des arts, que l'on n'a pas évoqué, mais qui peut nous aider précisément aussi à construire cet imaginaire désirable qui a été évoqué. Voilà. Alors sur cette dernière dimension, moi j'ai pas de réponse parce que c'est pas mon domaine, mais je pense réellement que dans la poursuite du travail qu'on aura à mener, c'est une dimension qui nous faudra prendre en compte. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, j'en ai terminé, puis place à la discussion. Allez, applaudimètre. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout simplement, bah, peut-être Céline, par nous dire, nous rappeler quand même ce que c'est que le CPIE, c'est important, loi Océane, et nous dire en quoi la problématique du changement climatique, c'est important pour le CPIE, loi Océane. Et après, on fera un petit tour de table comme ça. Donc le CPIE, c'est une association d'habitants et un petit peu de communes aussi du territoire qui donc est ancrée sur le territoire de Cap Atlantique Saint-Nazaire Aglo. Et on va aussi un peu sur Loire et Estuaire et Sillon, pardon, Savenay, autour de Savenay. Et donc entre la Loire et la Vilaine, on a pour bien exprimer le fait que c'est sur un territoire où il y a beaucoup d'eau, et donc c'est un thème assez majeur. C'est une association qui a été labellisée CPIE, donc CPIE ça veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. C'est un label national qui a été créé dans les années 70 et qui reconnaît en fait une démarche et des valeurs qui sont portées par ce label. Il y a 80 CPIE en France, il y en a 3 en Loire-Atlantique, un sur Nantes Métropole et puis un sur le sud de la Loire, basé à Corcouët-sur-Logne. Les valeurs qui sont portées par ce label, c'est des valeurs à la fois humanistes, des valeurs de démarche scientifique et d'éducation populaire, voilà pour un résumé. La connaissance, pas les opinions. Voilà. Je reprends les mots de Benoît.
Et donc l'objet de cette de notre structure, donc qui est donc animé par un conseil d'administration et une équipe de professionnels salariés, on est 9 personnes à travailler au CPIE Loire-Océane, c'est de sensibiliser les parties prenantes du territoire sur ces questions de transition écologique, et sur les enjeux qu'il y a autour de ça. Donc c'est vrai qu'on a des thématiques qui ressortent un petit peu plus, qui sont la biodiversité et l'eau, que je l'ai cité, mais on parle aussi beaucoup d'alimentation et donc du coup d'agriculture. On parle aussi d'énergie, enfin de transition énergétique, tout ça, de climat évidemment, donc on est au cœur du sujet. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que à travers en fait l'approche aussi du patrimoine naturel qu'on a, on puisse faire émerger des à la fois de l'émerveillement sur ce patrimoine, sur cette nature, et en même temps du coup des prises de conscience. Donc voilà, c'est un peu nos modes d'action. Donc le mode d'action, c'est éducation, sensibilisation. Et puis on a également tout un champ d'activité sur des actions concrètes où on accompagne les habitants du territoire ou les collectivités ou les entreprises sur des actions concrètes qui vont favoriser la biodiversité. Donc par exemple des aménagements autour de zones artisanales, autour d'entreprises, donc les aménagements extérieurs qui vont favoriser la désimperméabilisation pour mieux faire circuler l'eau ou la biodiversité. Des programmes de plantation de haies, des programmes de restauration de mares pour faire des continuités écologiques aussi sur le territoire. On travaille aussi avec les écoles sur la désimperméabilisation des cours d'école. Donc voilà, quelques petits exemples des choses plus concrètes. Ça ressemble un peu à votre cœur de métier, le changement climatique. Oui, on est oui, je pense qu'on. En fait, la réponse, c'est notre job, quoi. C'est ça. Via donc, la partie éducationnelle, donc développer la connaissance, les prises de conscience pour l'évolution des comportements par l'émerveillement. Hein. Moi, j'adore ça. Hein. Le mot émerveillement, il est clé, je crois. Donc, en fait, on, par exemple, on travaille beaucoup avec les scolaires. Donc, c'est vrai qu'on a, j'ai pas cité nos partenaires, mais donc on est ancré sur le territoire et on développe des programmes en lien avec les collectivités, communes ou agglo du territoire. Et donc, on intervient beaucoup auprès des scolaires, donc en pensant que ça a été dit dans la journée, mais que c'est aussi un moyen de sensibiliser, de remettre aussi ces questions-là au cœur des projets pédagogiques. Et puis aussi des habitants du territoire. Donc il y a beaucoup de programmes de sortie. Donc effectivement, cette action émerveillement, c'est en touchant, en travaillant sur les sens, qu'on va pouvoir aussi peut-être déclencher des prises de conscience. Ça va pas suffire, hein, mais c'est un des enjeux et qui est complémentaire de l'apport de connaissances et de la compréhension des choses. Je prends la balle au bon scolaire, je passe la balle aux 15-25 ans. Je profite. Maxime, c'est quoi ce pot 15-25 ans et c'est qui ? Je crois qu'il y en a dans la salle. Bref, il me semble. On va leur demander de se lever, peut-être. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi le changement climatique, c'est important pour vous ? Le spot 15-25 ans, donc, est un équipement qui est sur la ville de Guérande, qui est dédié aux adolescents et aux jeunes adultes et géré par l'association des PEP Atlantique Anjou, connue aussi pour avoir plusieurs services et structures sur le département, notamment un centre de vacances situé à La Turballe, la Marjolaine, et également un centre situé à Cambon, la Ducheraie. Le spot 15-25 ans, c'est un lieu qui est axé en fait sur trois services. L'accompagnement d'initiatives, donc la coopération est un mot plutôt clé au sein de la structure. Donc l'accompagnement d'initiatives, c'est des jeunes qui viennent avec la volonté d'agir sur plein de choses, souvent des événements socio-culturels, et donc l'équipe est à leur disposition pour les soutenir, les appuyer et puis les aider dans la méthodologie de projet pour qu'ils deviennent autonomes par la suite dans leur réalisation. Un deuxième service qui est l'information, qui fait assez écho à l'éducation, leur permettre d'avoir connaissance des nombreux dispositifs qui sont là pour les appuyer, mais également d'avoir une culture commune, de travailler leur esprit critique, d'avoir une capacité d'analyse et d'opinion, pour le coup. Et le troisième service, c'est l'éducation et la promotion de la santé,
donc leur permettent de concevoir la santé comme quelque chose de précieux, quelque chose de global, et d'être acteurs, d'avoir un pouvoir d'agir, que ça soit voilà, sur leur propre santé, mais aussi dans leur environnement, être à l'écoute des freins qu'ils peuvent rencontrer en matière d'inégalité, hein, de santé, et puis ben, de les consulter et d'imaginer ensemble des propositions pour avoir bah, une équité pour le coup et imaginer des, voilà, des choses nouvelles. Et du coup, oui, tu dis l'environnement forcément pour les jeunes. On dit, c'est quoi le proverbe ? On dit on ne lègue pas la planète à ses enfants, on l'emprunte, hein, aux générations futures. C'est un peu ça la base, non ? Il paraît, ouais. Je pense que l'environnement et les enjeux climatiques, ils sont au cœur des préoccupations des gens, donc des jeunes. Les jeunes qui sont assez mobilisés sur ces questions, lorsqu'on échangeait en plus petit comité, nous, on observe que ces défis-là peuvent être source d'anxiété. Et donc, on a un devoir de les rassurer, de leur laisser de la place pour imaginer, pour nous surprendre, pour reprendre le flambeau. Les enjeux climatiques, pour d'autres, sont pas source d'anxiété, mais plutôt d'imagination. Si vous prenez, par exemple, dans les établissements scolaires, je vais me rattacher à du factuel. J'ai fait le constat, il y avait souvent des groupes sportifs, l'UNSS, Union Sportive, dans les lycées, où il y avait énormément d'élèves engagés. Aujourd'hui, les éco-délégués, les clubs ou micro-groupes pour les questions climatiques au sein des établissements, ils dépassent le nombre de jeunes qui vont sur des missions sportives. Donc ça veut bien dire que ça compte. Bon, les deux sont importants quand même. Hein. Oui, bien sûr. Et bref, les deux sont compatibles. Je dis pour les jeunes, les miens ne sont plus dans la salle, mais... merci Maxime et on peut peut-être les jeunes, vous êtes là, bravo, vous êtes là, c'est déjà une preuve, on peut vous applaudir. Merci à vous. Annette, le Conseil des Sages de Bas-sur-Mer, alors déjà je vais te poser une question bête, c'est quoi et le changement climatique là-dedans? Le titre est très beau, oui, Conseil des Sages. Donc, un peu de sagesse, s'il te plaît. Ça va être moins positif et merveilleux que les exemples précédents, mais bon, comme toute institution, nous sommes en marche. Donc on va essayer, grâce au colloque d'aujourd'hui, peut-être de changer un peu de direction, on verra. Alors qu'est-ce qu'un Conseil des Sages ? C'est une instance de proposition et réflexion qui, par ses études et avis, éclaire le Conseil municipal. Donc c'est une instance consultative. Alors, ça a été créé en 1982, donc c'est assez ancien, dans le cadre les prémices de la décentralisation, avec l'idée d'associer davantage les citoyens à la vie de leur commune et de la cité. Donc ce principe de base va tout à fait dans le sens de ce qu'on a entendu et ce qu'il faut, je pense, développer à l'heure actuelle. Alors, à Bas-sur-Mer, il n'en existe pas dans toutes les villes. Il n'y en a pas au Croisic, il y en a au Pouliguen. Je ne suis pas certaine qu'il y en ait un à Guérande. Il y en a relativement peu, probablement parce que les municipalités n'en voient pas un intérêt immédiat. Quel tort. Alors, à Bas-sur-Mer, aux dernières élections, Madame Lehédé a décidé d'en créer un qui était demandé par des associations citoyennes qui en réclamaient un déjà depuis plusieurs années. Il comprend 23 personnes, le même nombre que d'élus, donc c'est à peu près ce qu'on retrouve partout, des gens de 55 ans et plus. Alors ça, c'est dans une charte qui a été élaborée par Kofi Annan en 89, où il a bien précisé que donc c'était des personnes plus âgées, parce que nous sommes réputés pour notre sagesse. Totalement. Donc, et notre expérience. Et donc, le conseil a été mis en place.
La première étape a consisté, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, comment faire, etc. La première étape a été de créer des groupes de travail selon ce qu'on avait envie de développer à Bas-sur-Mer. Il y en a eu trois. Il y en a eu un sur le développement économique du centre-bourg. Donc on a parlé du développement des centres-bourgs, effectivement, dans les propositions de choses à faire qui peuvent aller dans le sens d'une meilleure organisation de la vie sociale. Mais là, c'était plus dans une optique économique qu'environnementale. Ce n'était pas le changement climatique ? Non. Et il n'y a pas un groupe sur le changement climatique ? Non. Ah. Alors que fait le changement climatique ? Je ne crois pas qu'on veuille la liste des commissions. Je suis désolé, Annette, je vous raccourcis un tout petit peu. Pour 2 minutes, là. D'accord. Il y a une commission culture. C'est pour s'y situer un peu. Commission culture et une commission solidarité que j'ai souhaité présider et mettre en place. Alors, quand il y a eu ce colloque, j'ai dit, moi, solidarité, qu'est-ce que je vais dire ? Et tout ce que j'ai entendu aujourd'hui me conforte. On a parlé beaucoup de coopération et je pense que la solidarité est quelque chose d'essentiel à développer entre les citoyens d'une commune si on veut faire quelque chose. Et donc c'est pour ça que j'ai tilté ce matin sur le terme de convaincre nos concitoyens. Je pense davantage à échanger et à construire ensemble. Je suis, moi, dans une démarche de construction de savoir collectif. Ouais. Voilà. Et puis, vous parlez de solidarité à ce moment-là, où tout à l'heure, on a souvent parlé de justice d'injustice éventuelle face à ceux qui pourraient se défendre, face à ceux qui pourraient pas se défendre, ceux qui peuvent agir, ceux qui peuvent pas agir, avec les courbes aussi de comportement. Donc c'est très intéressant, je pense, de lier les deux sujets, solidarité et changement climatique. Alors, dans une deuxième étape, quand même, c'est la municipalité qui a proposé des thèmes, et un des thèmes, c'était la replantation de bas. Donc là, on est en plein dans nos sujets. Et donc, il a été demandé si des sages étaient d'accord pour y participer. Donc, il y a une participation, là, du Conseil des sages. Alors, je pense que ça peut être un lieu... là, en discutant un peu avec certaines personnes, j'ai déjà des demandes et des idées. Ça peut être aussi un lieu où vont être fédérées, regroupées des initiatives dans plusieurs associations badziennes. C'est évident que... Bon, l'éco, c'est aux premières loges, j'ai appliqué dans le colloque. Et l'éco, ça n'avait jamais... DECOS n'avait pas travaillé avec les sages. Donc, je vais œuvrer pour que DECOS puisse travailler davantage avec les sages. Nous avons une section locale de Terre solidaire, donc qui voit les problèmes, effectivement, d'évolution climatique et environnementale au niveau de toute la planète. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir les deux bouts. Et des deux bouts des enjeux et les différences culturelles, là, qui sont encore plus grandes. Et aussi dans l'optique, puisque nous avons un collectif d'accompagnement des migrants. Nous avons parlé plusieurs fois qu'avec la crise climatique, il y aurait une nouvelle immigration. Donc je crois que c'est important aussi que le savoir qui a été construit pour l'accueil et l'entourer au mieux les gens qui arrivent servent. Donc je crois qu'on peut travailler à fédérer les savoirs qui ont été construits à Bas-sur-Mer et ailleurs, peut-être dans votre plateforme. C'est très intéressant parce que vous nous ouvrez le deuxième thème que je voudrais qu'on aborde, c'est-à-dire la proposition que Benoît vous a faite, c'est-à-dire d'un lieu, mais c'est aussi d'une communauté de coopération, avec toutes ces notions de transposition dont vous nous parlez, et je pense que c'est là où des sages ont souvent cette capacité à dire ça ressemble à un truc qu'on avait fait ailleurs, et à nous aider. Moi, j'aime bien l'expression avoir de l'expérience d'avance, avoir des gadins d'avance. On a essayé ça marche pas. Ah, bon, nous on le sait, on l'a déjà fait.
Alors, bah du coup, Annette, ça vous donne envie de faire partie de ce collectif, du coup, si je comprends bien ? Envie, sûrement, oui. Et la coopération, c'est déjà dans votre ADN ? Oui. Bon, oui, donc ça, on va y aller. Céline aussi, je vous relance la balle. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de coopération ? Nous, ça nous semble aussi intéressant, parce que je pense que c'est un peu aussi au cœur de la démarche qu'on souhaite promouvoir au sein du CPIE, effectivement, de croiser les regards, de pouvoir... parce que je pense que parler, enfin, quel que soit l'endroit d'où on parle, en fait, on ne voit pas les choses de la même manière, mais du coup, pour ces aspects coopération, c'est important. On a travaillé là, pendant 6 mois là, avec une stagiaire qui nous a un peu éclairé sur les freins au changement individuel dont parlait Benoît tout de suite. Là. C'était un peu là-dessus aussi que je voulais vous envoyer. Oui. Sur ces problèmes d'engagement. Et en fait, on est arrivé avec l'idée aussi que, par exemple, quand on fait des sorties pour comprendre les enjeux d'un bassin versant, les enjeux de l'eau, et de comprendre les pratiques qu'on peut avoir au niveau individuel et quels sont leurs effets, on peut assez facilement avoir un peu les mêmes personnes qui viennent assez sorties. Enfin, du coup, c'est pas souvent si facile que ça de toucher, d'élargir le public. C'est un gros sujet, ça. Voilà, c'est un même gros pour sujet. Nous, pour ce colloque, on s'est dit, mais il n'y a que des gens convaincus qui vont venir. Comment on fait pour ouvrir ? Et en fait, par exemple, on s'est aperçu qu'en croisant avec des sorties sur d'autres thématiques, soit de patrimoine bâti, soit de culture artistique, de cette cité, et en fait, on touchait des publics différents. Et comment on fait pour se dire qu'en fait, tout ça, on est concerné par plein de sujets à l'échelle individuelle et on fait des choix, mais en fait, on peut croiser ça. Donc en fait, ça, c'est une piste qu'on souhaite vraiment travailler. Ouais, je pense que l'opportunité de le travailler à plusieurs avec portes d'entrée, des points de vue et des portes d'entrée différentes, ça me semble effectivement très intéressant. Et Maxime, c'est pareil, le niveau de l'engagement des jeunes, la mobilisation, là, on parlait de difficulté à engager. Il y a besoin d'avoir une pluralité de thématiques et l'opportunité de fédérer, ça semble être en phase avec... Oui, tout à fait. Après, sur l'engagement concernant la jeunesse, et je parle sous son contrôle parce qu'elle est là, je pense que les jeunes, ils ont envie d'entreprendre, ils se sentent concernés par énormément de thématiques. Après, il y a des mots-clés, des mots qu'on évite de prononcer, voilà. Le coup, ceux qui sont là sont pas mal engagés. Si je fais une petite photo comme ça, je vois quelques projets quand même qui ont été réalisés par beaucoup d'entre eux. Mais voilà, il y a des représentations derrière le mot engagement qu'il faut déconstruire. Le mot engagement lui-même. Oui. Ok. Vous êtes d'accord ou engagez-vous qui disait c'est militaire, ça va pas, c'est ça? Non, je ne sais pas, ça m'intéresse. Mais pourquoi ? Excuse-moi, je peux leur poser la question ? Oui. Qui c'est qui veut bien me dire pourquoi le mot engagement, il vous dérange ? Mais non, mais je ne sais pas. Enfin, moi, je comprends pas. Vous comprenez, vous, dans la salle ? Alors, est-ce que quelqu'un a une hypothèse à leur formuler s'ils ne veulent pas la donner ? Ah, je monte. Si ? Je sais pas, je trouve le mot s'engager, je sais pas, c'est trop, je sais pas comment dire, brut. Enfin, c'est, je sais pas, on nous l'a tellement vendu tout du long que en fait, ça fait plus peur qu'autre chose ce mot. Alors qu'au final, si on en discute et tout, c'est pas quelque chose d'aussi grave. Enfin, c'est même plutôt positif. Mais c'est juste que je trouve qu'il a été trop, il a trop une connotation qui fait peur. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais. Je répète le mot obligation, mais c'est vrai, c'est comme une demande en mariage, hein. C'est un engagement. Hein. Je fais exprès de dire ça, parce que la peur de l'engagement, la peur d'un choix d'orientation, bon, d'abord les plus vieux ils sont tous passés et diront de toute façon il faut y passer. Les associations se plaignent tous, excusez-moi je prends cette casquette-là parce que j'en croise beaucoup d'un problème d'engagement et de l'engagement post-it, hein, le terme qu'on voit dans toutes les associations c'est l'engagement post-it, c'est-à-dire des bénévoles qui viennent et qui repartent mais plus vite que la musique. Une belle mission pour la communauté des
citoyenne, l'espace citoyen, non ? C'est cette question de l'engagement, enfin, j'ai essayé de l'aborder tout à l'heure, les freins à l'engagement, je pense que... Enfin, mais c'est un diagnostic qu'il faut approfondir, partager, mais ce que vous dites correspond un peu à ce que je comprends, c'est que il y a aussi la peur, quand on s'engage, c'est quand même s'engager dans un collectif, souvent que ce soit une association, un syndicat, enfin là je parle pour ceux qui sont en situation professionnelle, ou dans un parti politique, ou dans une liste électorale, ou que sais-je, c'est jamais facile de franchir le pas, parce qu'on n'est jamais sûr totalement de ce qu'on va y trouver, et en somme, dans quelle mesure on ne va pas se retrouver conduit à endosser finalement une raison d'être qui a été conçue par d'autres avant. Donc l'engagement, ce qu'on essaye, enfin ce que j'ai essayé de dire, c'est que la vocation qu'on voudrait donner à cet espace citoyen, c'est de faciliter ce passage-là, c'est-à-dire de donner un espace aux personnes sans attache, on va dire, d'engagement, de contribuer à cette réflexion, d'abord en ayant de la connaissance et ensuite de participer à une réflexion pour ensuite se dire « Ah ben moi j'ai envie d'aller là ou là ». D'ailleurs, il y avait cette deuxième partie fléchage des engagements possibles, c'est-à-dire à la fois la communauté des acteurs existants, à la fois accueillir des futurs engagés et à la fois leur proposer des missions. On voit de plus en plus d'associations qui proposent du micro-engagement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est-à-dire des mini-missions, parce qu'en fait, c'est ce qui semble marcher mieux. Pour autant, c'est le sujet central. Si on veut, si j'ai bien compris l'objet, le constat et la conviction qui est qu'il faut que les citoyens soient au cœur de la fabrication de la solution. Sans engagement, on ne peut rien faire, si je comprends bien les choses. Moi, j'ai envie d'utiliser un petit peu la sagesse d'Annette. L'engagement bénévole dans les associations... En tant que sage, avec un peu de recul, c'était comme ça avant. C'est quelque chose de nouveau, les constats, les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'était déjà difficile de s'engager quand on était jeune avant. Avec le micro, s'il vous plaît. Alors, je pense que les formes d'engagement étaient différentes. Effectivement, on s'engageait dans des institutions, dans un syndicat. Alors, à l'école, il y avait les délégués qui s'engageaient. Et puis après, les syndicats étudiants ou syndicats professionnels. Et puis après, pour ceux qui étaient très... qui avait du temps et très convaincu les partis politiques. Mais je comprends que ça correspond un peu à ce que dit le jeune homme, là. C'est vrai qu'on se retrouvait parfois piégé. C'est-à-dire qu'on était, je me souviens très bien, mettre des tracts pour telle ou telle chose, alors que ben, c'est au-dessus. C'est les têtes pensantes qui avaient trouvé qu'il fallait se aussi cela, et nous, bah, les petites mains, ont distribué. Alors, je crois que ce mode d'engagement ne convient plus du tout à personne, et en particulier aux jeunes, qui maintenant, c'est eux qui sont quand même au charbon pour l'avenir. Hein. Mais allez, par contre, engagez-vous. On observe comme, alors ça doit rejoindre ce que vous appelez les micro-engagements, on observe une capacité de mobilisation des jeunes et des anciens sur quelque chose qui va leur paraître profondément injuste. Donc ce matin, le thème de la justice est beaucoup sorti, et c'est vrai, quelque chose qui paraît profondément injuste, on va voir les jeunes, et puis après peut-être d'autres forces politiques se rejoindre à eux. Je crois que les formes d'engagement sont beaucoup plus ponctuelles, moins dans un cadre idéologique très large, et donc prennent des formes différentes. Et du coup, avant de demander à Benoît de nous parler du mot intelligence collective qui était dedans et qui est peut-être une forme de réponse à ces nouveaux formes, ces nouvelles formes d'engagement, c'est-à-dire la co-construction en fait, hein. Ça ira. J'ai vu ta tête, j'ai eu peur. Déjà, peut-être Céline et Maxime, vous, est-ce que vous pratiquez déjà des formes d'engagement beaucoup plus co-constructives aujourd'hui qu'hier ? Est-ce que vous voyez des tendances là-dessus pour engager mieux, j'ai envie de dire ? Je crois qu'en fait, il y a aussi la notion de choses assez concrètes, en fait. Des exemples, dont on s'est aperçu, c'est que, par exemple, pour que les gens ils s'engagent, il faut qu'ils aient peut-être l'impression aussi de faire. Donc, par exemple, participer à...
à un chantier de mare, par exemple, ou participer, alors, pas forcément au CPIE, mais à des chantiers de production, enfin aider des paysans à faire des, je sais pas moi, des récoltes ou mettre en place des distributions alimentaires. Il y a des choses comme ça très concrètes ou qui donnent qui ont du sens. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le mot sens qui ressort. Notion sens. Et c'est aussi, comme c'est des lieux collectifs, c'est des lieux de partage, c'est des lieux de connaissances et de prise, c'est de l'éducation populaire. Moi, je pense que c'est très porté par les mouvements comme les PEP, mais aussi par les CPIE ou par plein d'autres associations. Et comment on n'a pas forcément les mêmes thématiques de départ, mais en fait, l'idée c'est de faire ensemble. Je pense que c'est comme ça qu'on s'aperçoit aussi des Donc, enjeux qu'il y a autour de nous. Par la finalité de l'action qu'on matérialise, quoi. Et puis ça répond à les questions d'éco-anxiété qui étaient citées tout à l'heure. C'est-à-dire que si on est là, qu'on attend et qu'on voit les enjeux, c'est quand même un peu flippant, quoi. Maxime, des exemples aussi d'actions comme ça qui engagent mieux. Et pendant ce temps, je monte le micro, parce qu'il y a une intervention. Après, sur la participation est déjà moins engageante que l'engagement. Si je prends l'exemple des jeunes qui réalisent des aventures collectives, il y a souvent la formation d'un noyau dur et qui va attirer des électrons libres, voilà, qui vont tourner autour, qui vont être présents justement dans la réalisation, donc qui ne vont pas voir toute la phase préparatoire, tout ce travail un petit peu caché, mais qui vont être présents le jour J, ou en tout cas sur la réalisation du projet en question, et qui vont y prendre goût, et qui vont ensuite digérer un petit peu les choses de leur côté, et parfois revenir avec d'autres idées, avoir l'appui des anciens, avoir la force des nouveaux et des nouvelles aussi. Et ça marche plutôt bien, quoi. Je pense que pour favoriser l'engagement et aller sur... Faut être très honnête et très clair sur ce qu'on attend aussi en matière de participation. Il y a une échelle de la participation qui existe et qui cible très très bien les différents stades, allant de la non-participation jusqu'à l'autogestion. Il faut être assez à l'aise et OK avec le fait que on n'arrive pas à l'autogestion tout de suite, que c'est des marches à gravir, qu'il faut laisser la liberté aussi à ceux et celles qui occupent une place de pouvoir réviser leur investissement. Sur la jeunesse, nous, ce qui nous a paru extrêmement important, c'est d'adopter nos codes, nos pratiques, pour le favoriser, justement, ça. On l'a oublié, mais on n'avait pas plus de temps quand on était jeune. On l'occupait différemment de maintenant. Mais ils ont des journées sacrément chargées. C'est pas tous les jeunes qui viennent le samedi, le dimanche, tard le soir pour réaliser des choses pour d'autres. Et surtout, y prendre du plaisir, y prendre du bonheur. Et je pense que c'est ça, en fait, qui participe à étendre le collectif. Et d'ailleurs, ils créent rarement des choses seuls. Ils font souvent appel à des partenaires, des associations qui sont du coin. Nous, on a un rôle de généraliste. On est là pour cibler ce qu'ils ont vraiment besoin. Et puis, de les accompagner à chercher les spécialistes, en fait. Et après, ça déroule. La facilitation, la transmission. Ça te tente, l'intelligence collective ? Ou je laisse la parole à la salle d'abord ? Non, j'avais juste envie de réagir. Ah oui, tu peux réagir aussi en dehors de ma question, hein, tu as le droit. Avec le micro, par contre, avec le micro... Pardon, il vient de citer un mot que j'ai hésité à mettre dans mon nuage de mots, qui est le mot de plaisir, parce que je n'étais pas sûr de savoir le présenter, l'avancer, en très peu de temps, et on débouche dessus, et voilà. Donc, ça résonne avec convivialité, qu'on voit quand même souvent aussi, qui mixe le lien social et l'accès à une forme de bonheur, pour revenir au sujet. Je profite pour commencer à ouvrir les questions de la salle. Vous commencez à lever les mains, et vous avez levé la main tout de suite, allez-y. Oui, alors d'abord j'en profite, puisque j'ai le micro, pour vous remercier vraiment pour cette journée. Tous les organisateurs, c'était vraiment un très Moi, je suis d'accord, on très, peut très même applaudir. Oui, vraiment.
Alors, ce que je vais dire va rejoindre beaucoup de choses qui ont été dites, mais parce que justement, je voudrais insister sur plusieurs points. Des mots-clés qui ont été prononcés, effectivement, pour moi, engagement, bénévolat aussi, culture, tu l'as dit, Benoît, ce mot magique, culture, être ensemble. Je pense que moi, j'ai la chance de... C'est pas toujours une chance, d'ailleurs, mais enfin bon, je préside à une association qui travaille avec énormément de bénévoles, puisque au moment du Festival des Escales, il y a plus d'un millier de bénévoles qui sont engagés. Et beaucoup de jeunes parmi ces bénévoles, toute l'année d'ailleurs, parce que c'est pas seulement le Festival des Escales. Et ces jeunes, ils s'engagent effectivement d'abord et avant tout pour être ensemble et faire quelque chose ensemble. Et je crois que c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a un objet commun, en l'occurrence un festival, un concert, tout simplement faire de la musique, parce que je le fais aussi avec des plus jeunes. Mais autour de cet objet commun, il y a le plaisir, et ce mot est très important, le plaisir d'être ensemble. Et effectivement, je pense que c'est au cœur de l'action possible sur le réchauffement climatique, c'est trouver du plaisir à être ensemble pour agir. Et là, je crois que là, vraiment, on est au cœur vraiment de l'efficacité. Parce que les jeunes l'ont dit, s'engager comme si on signait un contrat, bah, personne n'a envie de le faire, quoi. Ça, c'est le mot engagement qui fait peur. Oh, je vais pas m'engager dans un parti, je vais pas m'engager dans un syndicat, je vais pas m'engager. Par contre, s'engager pour être ensemble, faire des choses ensemble, pour, et ça c'est vrai que tu l'as dit, Maxime, que les jeunes sont très sensibles quand même au problème du réchauffement climatique. On a vu ces fameuses manifestations qu'il y a eu à un moment donné. C'est un peu calmé d'ailleurs, peut-être trop, mais bon, il y a eu beaucoup de ça. Les jeunes se sont vraiment mobilisés autour de cette notion du réchauffement climatique. Ça les touche, c'est leur avenir, c'est aussi leur rapport avec la nature, parce que ça je crois que c'est très important. C'est quelque chose qui les touche beaucoup. Et donc, pour tout ça, je voudrais quand même avoir beaucoup de notes d'espoir. Parce Est-ce que ça veut dire, si je comprends bien toutes les équations de la journée, d'ailleurs, ça en résout plusieurs, rendre l'engagement désirable ? Exactement, rendre l'engagement désirable. C'est ça le sujet, non ? Ouais, ouais. Et je dirais, pour conclure, la culture, on dit toujours que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Enfin, je crois qu'aujourd'hui... Quand on aura oublié tous les chiffres qu'on a eus, toutes les données, il nous restera la culture de cette journée où vraiment on a compris des choses sur le fond. Voilà, merci en tout cas. C'est un beau témoignage, merci. On peut vous applaudir aussi. Il y a une question dans la salle de Philippe. Ah, et Catherine. Non, ce n'était pas une question, c'était une réflexion à propos de vous, les jeunes. Je pense que vous avez, nous on a que des vieux dans nos associations, bon, le constat c'est qu'on manque terriblement de jeunes. Bon, j'ai bien compris que l'engagement c'était pas votre truc et je peux l'admettre, même si j'ai un peu de mal à le comprendre parce que, bon, quand j'avais votre âge c'était totalement différent pour des raisons totalement différentes. Maintenant, moi je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. D'une part, et deuxièmement, que votre vision pour l'avenir, surtout dans ce domaine environnemental, est fondamentale. Donc la question qui se pose, c'est comment recueillir votre parole. Si j'ai bien compris, ça peut se faire autour de projets concrets. Est-ce que vous voyez un projet qui permettrait de recueillir votre parole dans le cadre de ce qui a été exposé? Ah oui, vous avez 2 heures. Voilà, merci de me répondre. Vous avez envie de répondre? Tout de suite? Vous réfléchissez? Voilà. Non, mais c'est pas tout de suite. Réfléchissez, mais ce serait bien qu'on se revoie pour en parler. Vous êtes d'accord? Je vous propose de donner la parole à Catherine. On en a bien l'intention, hein, Maxime, de se revoir. Je crois que c'est parti pour. Oui. Ah, c'est parti pour. Oui, moi je voulais juste vous remercier de cette transmission, en fait, ce que vous avez envie de faire. Quand on a préparé cette conclusion, on avait effectivement, comme l'a dit Benoît, des idées,
Mais ce qui serait bien, c'est que là, plutôt, vous nous donniez les vôtres. Sur quel sujet est-ce que vous aimeriez que l'on organise une suite de cette journée ? Parce que dans les projets qu'on a en tant qu'espace citoyen, évidemment, on aimerait prolonger cette journée par d'autres rencontres, d'autres, peut-être par mail, bien sûr, mais aussi par d'autres rencontres, d'autres réunions, d'autres espaces de discussion, peut-être ciné-débat, peut-être... On avait des idées en tête, mais on n'a pas arrêté. Et ce qui serait bien, c'est que là, on les entende. Il y a déjà des groupes qui travaillent, mais bon... Vous avez compris, là, il y en a un sur la montée des eaux. On peut en faire un sur le millefeuille administratif. Comment est-ce qu'on peut s'y insérer pour participer à la vie politique pour que, justement, on n'ait pas toujours l'impression, ou parfois l'impression, que les politiques sont nous descendent, comme on l'a dit tout à l'heure, prennent des décisions alors qu'on n'a pas eu la place pour donner notre avis. On a des sujets comme ça, mais bien sûr, la salle a certainement plein d'autres idées. Alors, ces sujets-là, on les proposera certainement, mais il y en a d'autres. Ce qui serait bien, c'est que là, on arrive à les mettre, qu'ensuite on organise et qu'on vous les propose par les mails que vous avez donnés, et bien gentiment. Donc, deux canaux d'expression, l'email, vous avez le droit, mais maintenant, vous pouvez lever la main. Et d'ailleurs, on a une personne qui a le micro. Déjà, je suis désolé, je ne connais pas votre nom, mais je vous laisse faire votre témoignage. Et les suivants, levez la main, je donne le micro, évidemment, pour toutes vos idées. Allez-y. Je voulais leur dire que j'ai accompagné des jeunes comme eux. Une grande partie de ma vie professionnelle, ça a été fait auprès de jeunes en alternance. Et que j'ajoute un intérêt à tous ceux qui vous ont été montrés, c'est celui de pouvoir dire que vous avez été bénévole auprès d'associations sur votre CV, c'est très important. Vous pouvez même devenir administrateur. Dans ma vie actuelle, je suis administratrice dans une association qui gère des foyers de jeunes travailleurs et on encourage nos résidents à devenir administrateurs auprès du conseil d'administration. Donc avec des missions, parce qu'on leur dit, mais c'est précieux aussi, sur vos CV, dans votre vie future, professionnelle, ce sera important, votre engagement associatif. Croyez-le bien, vraiment. J'aime beaucoup votre réflexion. Je rajouterai celle que moi je fais à tous mes étudiants. C'est bon pour votre santé. Non, c'est pas une blague. Il y a plein d'études qui montrent que le care, s'occuper des autres, c'est un facteur clé du bien-être et du bonheur. Et donc, s'engager dans des associations, c'est bon aussi pour soi. À l'heure actuelle, c'est important de le dire. Intervention au premier rang. Oui, c'est, moi, je voulais intervenir sur les thèmes que vous pourriez aborder. J'en vois au moins deux. Hein. Alors, il y a un thème qui était absent aujourd'hui de tous les exposés, mais si je veux dire, c'est le thème peut-être le plus urgent, c'est effectivement la biodiversité. Parce que s'il y a vraiment un domaine où on assiste à un effondrement terrible, c'est bien celui-là. Alors, on peut pas. Je comprends tout à fait que. Dans une journée telle que celle-là, effectivement, on ne peut pas aborder tous les thèmes. Mais je pense que ce thème-là, en tout cas, il doit être abordé, effectivement, avoir une réflexion de votre comité. Puis l'autre, qui est non moins important, c'est l'eau. Alors, mais l'eau, sur le plan aussi de la disponibilité de la ressource, mais aussi de la qualité de la ressource. Parce que là, il y a vraiment aussi une sensibilisation à faire sur la qualité. Quand je vais prendre un chiffre, je vais vous donner un chiffre. Quand il y a 1% des cours d'eau en Loire-Atlantique qui est en bon état écologique. Ça fait réfléchir. Alors, juste une réponse qui n'est pas une réponse, c'est juste que le thème pour dire que la question de la biodiversité, ça a été un sujet de discussion entre nous. Et il n'est pas cette question, elle n'est pas fermée, elle n'est pas close. C'est-à-dire que on a présenté l'espace citoyen du climat. À un moment donné, on s'est dit ce qu'il faut ouvrir. Et la question de la biodiversité, c'est effectivement, elle revient de manière régulière. C'est un vrai sujet, mais je pense qu'on le réabordera dans la suite qu'on va entreprendre. Hein, là, il y a une vraie question parce que. Si tu veux, ça,
c'est directement lié au réchauffement climatique, parce que si nous, humains, effectivement, on est sensibles au réchauffement climatique, on est entouré d'autres petites bêtes autour de nous, effectivement, qui sont aussi sensibles. Et c'est effectivement c'est le problème de la biodiversité, pourquoi cet effondrement, c'est effectivement parce que le monde animal, enfin, le monde du vivant a beaucoup de mal, effectivement, à s'adapter à ce changement très, trop rapide, effectivement. Non mais juste, et puis j'ai pas d'objection à ça. Seulement, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce qu'on vous a proposé, c'est aussi de vous y associer. C'est-à-dire que ce qu'on arrivera à faire sera le fruit à la fois de notre capacité à accueillir, mais aussi des énergies qui se manifesteront de chacun d'entre nous. Voilà, les énergies positives contagieuses. Voilà, très bien. Céline, je pense qu'on a parlé biodiversité et eau. Le CPIE a forcément un avis sur le sujet. Alors, ça peut être par la voix de Céline sur scène ou de Nadine plus loin. C'est à vous de choisir. Moi, je pense qu'en fait, là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a différentes portes d'entrée et que du coup, il ne faut peut-être pas qu'on veuille faire une méga structure, mais peut-être quand même qu'on cartographie les rôles et les interdépendances que tous les acteurs qui peuvent, associatifs et politiques aussi, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir se connecter aussi à nos décideurs. Parce que ou en faire émerger, si j'ai bien suivi. Ou en faire émerger, ou en faire évoluer. Enfin, en tout cas, on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a des constats. Et après, il y a des priorités, des fois, qui sont mises avant celles que nous, on pense être peut-être les plus importantes. Mais en tout cas, pour croiser toutes ces thématiques-là, parce que c'est vraiment un système complètement imbriqué les uns dans les autres, peut-être qu'il faut qu'on prenne ce temps-là de cartographier les rôles qu'on veut faire pour pas gâcher du temps à la... à se mettre d'accord ou à faire des choses qui sont déjà faites ou voilà. Donc du coup c'est pas si simple que ça, mais en tout cas je pense que c'est intéressant qu'on ça qu'on correspond se dise bien pas, au dilemme entre l'urgence d'agir ou l'importance de prendre le temps de mettre des méthodes Rendre ça lisible pour que on emmène le plus de monde possible et que du coup ça devienne un peu évident aussi pour peut-être ceux qui sont aux manettes aujourd'hui et qui le seront demain aussi quoi, sur les décisions de politique publique. Évidemment, ouais, j'aime beaucoup. J'en profite pour transmettre le micro à Nadine. Pour compléter ce que Céline vient de dire, j'avais beaucoup de choses à dire parce que les jeunes, vous n'avez pas à vous culpabiliser de rien parce que vous vous engagez de toute façon. Ce que vous faites là, c'est un engagement. Et vous avez plein de formes d'engagement auprès de vos amis. Vous vous engagez autrement, quoi, autrement que ce qu'on fait. Il n'y a aucune obligation. Et je voulais dire aussi ce qui manque peut-être pour acculturer les esprits, parce que c'est ça qu'on arrive, c'est cette victoire-là qu'on n'arrive pas à avoir, c'est aussi un récit, quoi, un récit qui emporte. Alors très concrètement, c'est à travers le cinéma, à travers la musique. Je pense que on sait à quel point un film parfois ça bouleverse complètement la vision qu'ont les gens au niveau international. Hein. Je pense au film d'Amélie Poulain qui a fait que tout le monde a vu Paris sous un autre jour. Bon, c'est aussi ce récit. Le récit, c'est au cœur aussi de la culturation et il faut qu'on gagne ça. Peut-être par l'art aussi. J'en profite pour faire la pub de la fresque des nouveaux récits que j'ai pu faire moi récemment et qui est assez édifiante sur le sujet. Je vous y invite tous. Faite par Pierre Guénaud, notamment. Jardin des dragons, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Pardon. Non, mais parce que les récits, c'est notre imaginaire. Et quand on creuse les récits, le récit général qu'on reçoit, et je suis désolé, je fais une digression, mais ça a été un peu évoqué ce matin, c'est pour être heureux, il faut consommer. Le pouvoir d'achat est le seul indicateur de performance sociétale. On peut se questionner sur le sujet. Je suis que animateur, je suis pas là pour donner des réponses. On a une intervention. Vous vouliez réagir tout de suite. On a une intervention à gauche de la salle. Je suis désolé, je vous connais pas. Je ne peux pas. Gilles. Je fais partie des shifters, donc je rebondis sur la présentation qui a été faite à la fin, sur les thèmes sur lesquels il serait intéressant de travailler. Je pense que l'un de ces deux thèmes que je vous suggère. Le premier thème sur les déplacements, parce que les déplacements, ça se réduira pas au passage à la voiture électrique. C'est largement pas suffisant. Et c'est un thème qui est très complexe
et pour le coup qui est très intéressant à aborder par le terrain. C'est-à-dire par les citoyens qui se déplacent concrètement pour aller faire leurs courses, pour aller se soigner, comme vous avez dit, qui sont les deux motifs, mais autre chose. Et ça, c'est très important. Donc les déplacements, c'est extrêmement important dans les manifestations. Il est bien clair que dans toute manifestation, le bilan carbone, c'est d'abord le déplacement des gens pour aller sur la manifestation. Vous prenez tous les lieux culturels. Qu'est-ce qui pèse en carbone ? C'est les déplacements des gens pour aller sur le lieu. Donc le déplacement, c'est quelque chose qui est un thème intéressant et c'est un thème dans lequel tout le monde a son mot à dire. Et il y a plein d'expériences, par exemple à Dunkerque, où ils ont remodelé totalement le système de transport en commun, qui est considéré comme une expérience très positive. Ça a commencé par consulter très, très largement la population pour les associer au projet, pour faire en sorte que dans les bus, il n'y ait pas seulement des personnes âgées, et des jeunes qui n'ont pas de voiture. Quoi. Donc ça, c'est un premier thème. Et le deuxième thème, qui est le plus, à mon avis, explosif, mais incontournable, c'est comment on va traiter les 73 000 résidences secondaires qu'il y a sur le territoire, qui est un territoire de plein emploi, dans lequel les gens bossent énormément, et dans lesquels les gens ont du mal à se loger. Et moi, j'aurai 98 ans en 2050, et j'espère bien arriver là, parce que mon père y est arrivé, donc pourquoi pas moi. Et en 2050, j'aimerais bien que dans ma commune de Piriac, il y ait des gens pour s'occuper de moi. Et aujourd'hui, si les choses continuent, il n'y aura personne, parce que personne ne peut se loger. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on s'occupe, dans ma commune de Piriac, des 4 000 résidences secondaires, par rapport aux 2000 résidences principales. Donc c'est le problème de ce problème-là qui est spécifique à notre territoire, qui est extrêmement difficile, qu'on ne peut pas résoudre à coup de yaka et à coup de taxes fiscales. Il faudra peut-être que on y réfléchisse. Et encore une fois, c'est là un deuxième thème sur lequel les gens, à la base, sur le terrain, qui connaissent leurs voisins, qui connaissent les problématiques, peuvent avoir le mot à dire. Donc voilà ces deux sujets que je vous propose. Je vais laisser Annette réagir qui voulait. Donc transport, logement, transition démographique un peu sur les bords aussi. Mais Annette, vous aviez une... Oui, moi je voulais dire que le département est à l'heure actuelle en train de faire une enquête de mobilité dans le département. Donc et par un questionnaire que j'ai vu sur effectivement comment on se déplace, combien de fois, de quelle manière, etc. Donc ça rejoint un peu de votre préoccupation et je devrais recevoir moi les résultats pas avant un an, hein. Mais c'est un document qui peut être important pour la problématique que vous soulevez et qui me paraît réelle. Alors je profite d'avoir le micro, je peux, pour dire que la question de la consommation me paraît très, très intéressante à étudier parce que bon... on peut le regretter, mais nous sommes beaucoup de personnes âgées à la retraite et donc nous sommes ciblés comme les consommateurs principaux. Et donc, parfois piégés, parfois des choix, on se dit qu'est-ce qui vaut mieux, faire ça en train, pas en train, etc. Enfin bon, il y a des tas de questions qui peuvent intéresser les gens dans ce domaine. Tout à fait d'accord. Benoît. Non, juste un mot, mais par rapport à donc aux thèmes qui ont été évoqués, comme j'ai tenté de le dire tout à l'heure, pour prendre un peu le contre-pied, c'est que je crois qu'il faut bon d'abord travailler sur les envies des gens, donc très bien que des personnes se soient exprimées en faveur de tel ou tel thème. Ce qu'il faut, c'est, enfin, j'aimerais bien qu'on arrive à assurer une forme d'exigence dans ce qu'on saura faire avancer quoi. Donc je pense que une des réflexions qu'il faudra qu'on ait lorsqu'on va se réunir s'il y a une suite, ça va être vraiment de travailler sur cette sélection des thèmes. La question n'est pas fermée aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a entendu un certain nombre de choses que on va s'arrêter à ça. Il y en aura peut-être d'autres. Il y en a peut-être certaines qu'on va mettre en deuxième priorité. Mais en tout cas, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ce que je comprends, c'est une extrême
fermeté dans l'intention d'aboutir à quelque chose qui oblige à une certaine humilité sur la quantité de choses à traiter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je veux pas anticiper sur la conclusion qui sera faite par les présidents, ni même sur la suite, la prochaine réunion. Mais pour moi, l'année qui s'ouvre, enfin les mois qui s'ouvrent, est-ce que j'ai essayé d'exposer tout à l'heure le concrètement, il faut qu'on fasse la preuve que ce qu'on a mis sur la table, ça répond vraiment à une attente, à un besoin, et qu'on ait quelques éléments, qu'on apporte quelques éléments de preuve de la pertinence de ce qu'on a engagé. Donc c'est pour ça que je veux pas qu'il y ait un effet déceptif quoi au bout de tout ça. Donc c'est important. Exigeant sur la qualité. Je vous propose de les applaudir tous. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre. Je suis désolé, on va s'arrêter là. Allez-y, merci beaucoup, beaucoup. Et je vais appeler les deux présidents, les deux Philippe, à me rejoindre. Philippe, on reste debout si ça vous va. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien, on est encore jeune. Normalement, il est branché, il n'y a rien à faire. Je parle pour toi, c'est pas trop bon. Oui. Ce troisième temps, donc, c'est que fait-on maintenant, la clôture des présidents. J'ai deux questions et on aura également après, vous savez, je vous le montre, mais très vite, on aura également à commenter les chiffres qui sont là, qui sont les avis qui ont été donnés. Mais hop, je l'enlève, je préviens juste. J'ai deux questions pour vous. La première, elle est simple, c'est vous avez conçu ce colloque. Venez plutôt devant dans la lumière. Venez devant, parce que là, il faut qu'on vous voie, il faut quelques photos. La première, vous avez conçu ce colloque, vous aviez une idée dans la tête. Tu nous l'as présenté, Philippe, au début, le pourquoi. Est-ce que vous trouvez qu'on a réussi ? Déjà, première question. Je pense que la réponse va de soi. Je veux dire, voilà, moi j'ai été là depuis ce matin, j'ai vu plein de gens, ça fait du lien entre différentes associations. On s'est rempli la tête d'une quantité importante de connaissances. On a, on est regonflé à fond pour démarrer. Donc oui, je suis évidemment bien. Plus que satisfait de cette journée. Philippe, ce matin, tu nous avais pas donné tes objectifs, mais pareil. Oui, moi, je confirme ce qu'a dit Philippe Ricordeau. C'est évident que quand on a... Philippe a démarré, en fait, l'initiative, et très vite, avec Catherine, avec Benoît, surtout, qui s'est énormément investi, on a tout de suite adhéré, et on a tout de suite compris que qu'au moins à deux, on risquait... de réussir mieux qu'une seule association. Tu veux dire coopération presque. Coopération et puis partage des visions, partage du contenu, partage de l'avenir. Benoît a énormément travaillé, vous l'avez vu, sur la suite. Et on a construit, je pense, quelque chose qui commence à bien tenir la route. Maintenant, on a besoin de vous pour continuer et on ne pourra pas le faire sans vous. C'est une évidence. C'est un peu ma deuxième question. C'est ce qui s'est décidé là, sur cet espace citoyen, l'échange qu'on a eu. On a bien vu l'engagement difficile, le rendre désirable, pas simple, le choix des thèmes, pas simple. Vous vous projetez comment ? Moi, je peux dire une chose également, peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment, c'est que je trouve que ce qui a été très intéressant aujourd'hui, c'est la diversité de nos approches, de nos opinions, de nos centres d'intérêt. Alors voilà, on a vu que certaines personnes s'intéressaient beaucoup à certaines choses, d'autres à d'autres. Et en fait, ce qui compte dans l'adaptation au changement climatique et pour se projeter dans l'avenir, c'est de construire un monde. C'est de construire un monde qui prend en compte non pas des petits bouts de solutions, mais l'ensemble des solutions. Et je retiens quelque chose de très important qui peut nous emmener
quelque part, c'est notre imaginaire, c'est le fait de rêver, c'est le fait de évidemment de plaisir, comme le disait Benoît. Donc ça va jusqu'à la culture, ça va jusqu'à la littérature, la poésie, et je crois que c'est si on réussit ça avec, et c'est pas du tout malgré, c'est avec nos différentes approches, eh ben, il y a de quoi être optimiste pour demain. Je crois que c'est justement la jeunesse à nous dire si ils sont optimistes ou pas. Oh là là, il y a beaucoup de poids sur vos épaules, engagez-vous. Philippe, ouais. Oui, moi j'adhère totalement à ce que dit Philippe. Je rajouterais sur la fin de la table ronde qu'il a été beaucoup question des thèmes, mais qu'on a aussi besoin de vous pour construire cet espace, pour lui donner de la consistance, pour lui donner une forme qui satisfasse le plus grand nombre et qui soit utile dans ce qu'on envisage de faire vis-à-vis de l'ensemble des forces, y compris politiques, du territoire. Alors, évidemment, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui allait de soi pour nous et que je veux absolument dire, c'est que nous, qui avons conçu cette journée, on s'engage et on s'engage à vous restituer des informations que vous aurez, sous réserve bien sûr d'inscrire votre adresse mail dehors, on s'engage à organiser une réunion relativement rapidement pour celles et ceux qui voudront faire plus, et on s'engage à vous prendre au mot des propositions que vous pourrez faire d'organisation, de thématiques, de tout et de n'importe quoi pour que demain, la presqu'île, ben, il fasse bon vivre. C'est ça qu'on veut. Tu veux dire qu'il fait 4 degrés trop froid ? Même s'il y voilà, fait un peu plus chaud. C'est exactement pardon. Ça. Excusez-moi, c'était pour... voilà. Alors, tu parlais des thématiques, et justement, il y avait dehors des thématiques sur lesquelles vous pouviez voter avec les petites gommettes, et vous avez là les thématiques plébiscitées. Alors voilà, moi je vois savoir s'émerveiller, donner à rêver, réunir les habitants dans les quartiers. C'est important, hein, on a parfois des réunions avec les politiques, les élus qui parlent de choses très sérieuses et très importantes, mais c'est aussi important de pouvoir parler avec sa voisine, son voisin de ce qui fait notre vie. Donc je trouve ça voilà, moi j'ai beaucoup de choses. Associer les professionnels et le monde du travail, bien entendu, c'est absolument nécessaire. Dire toute la vérité, même si elle fait peur. Eh ben, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir regarder les choses en face, de manière à construire l'avenir de façon positive. Ouais. Moi, je mettrais juste un petit bémol. Vas-y. Ça nécessite de définir ce qu'est la vérité. Et voilà, on est reparti pour une journée de colloque. Ce que je veux dire, c'est que la vérité de l'un n'est pas forcément celle de l'autre. Et non, mais sinon, c'était une boutade. Sinon, je suis globalement merci. D'accord. Oui, Fred. Et donc, on se retrouve là. Ah, une date. Bientôt. Non, bientôt. Alors. Avant Noël. J'ai avant une réponse Noël. Très précise, moi. Voilà, voilà. J'ai une réponse très précise. Déjà, je voudrais qu'on se retrouve immédiatement. Je voudrais que toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation viennent sur scène sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Tous les bénévoles, s'il vous plaît, venez sur scène, s'il vous plaît. Les intervenants aussi, s'il vous plaît. Vous avez contribué à l'organisation, Maxime, Emma. Allez, les intervenants aussi, s'il vous plaît. Sous un tonnerre d'applaudissements, je n'entends rien. Et je voudrais que quelqu'un les prenne en photo, ces beaux bénévoles, je compte sur vous. Allez-y. Et je pense que on peut faire un truc intéressant, c'est que sur scène, on applaudisse aussi la salle et les participants. Et on peut tous s'applaudir parce qu'aujourd'hui, on a construit quelque chose et ça, c'est important.
Merci beaucoup. On m'a glissé à l'oreille une chose très importante. À Bas-sur-Mer, le 14 novembre, le 14 novembre à 18h, vous avez une projection d'un film qui s'appelle La théorie du boxeur. Alors, c'est un titre un peu bizarre, mais c'est sur l'adaptation du monde agricole au changement climatique. C'est un très beau film. C'est un film qui donne envie de s'investir et qu'il faut aller voir. Donc venez. 14 novembre, à Bas-sur-Mer, à 18h. Mille merci à tout le monde, mille merci à vous et mille merci à vous. Merci à tous.